CLB, je te propose un défi. Tu vas devoir reproduire un monument célèbre en 20 minutes. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est LB35 pour un nouveau défi Minecraft. Donc aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, un défi venant d'un ami à moi qui s'appelle sur YouTube Gaming Manga, qui a quelques difficultés dans la personnalisation de sa chaîne d'ailleurs. Il fait du Clash of Clans et des trucs, donc je fais un petit peu sa pub, voilà. Il sera sans doute dans un subbox quand il aura une chaîne vraiment convenable et bien présentable. Aujourd'hui donc un défi venant de cet ami qui me propose de construire un monument célèbre en une vingtaine de minutes. Et le défi est relevé, je vais prendre le bâtiment de l'arc de triomphe des Champs-Élysées et je vais simplement devoir le construire dans des dimensions décentes, donc des grandes dimensions, quoi, vraiment des dimensions d'au moins une petite vingtaine de blocs de haut. Vous voyez un peu le délire. J'ai une vingtaine de minutes, j'essaierai de mettre le plus de détails possible. Et je n'aurai pas de timer avec moi, ce sera un petit peu le hasard. Comme ça je ne serai pas biaisé par le temps et je ne bâclerai pas le travail. Donc allez, assez parlé sur ce, place au défi. C'est parti, allons-y. Donc comme vous vous en doutez, je suis en mode créatif, ce serait beaucoup trop compliqué sinon. Hein. Je vais faire une base de 4x4 pour les pieds de l'arc. Ça me paraît pas mal. Donc là je peux déjà surélever sur... j'ai un modèle à côté, d'ailleurs c'est pour ça que le format de la vidéo est un peu étrange et que qui vient de changer en fait. Hein. Les bandes noires ont des dimensions pour le moins bizarres. Déjà il y a des bandes noires, c'est scandaleux. Vous pourrez vous plaindre à l'administration. Hein. Évidemment je fais creux hein, parce que sinon on n'a pas fini. Hein. J'ai envie de dire... Je vous rappelle que j'y ajoute le maximum de détails. Mais que je fais aussi avec ce que j'ai. On est quand même dans Minecraft. Hein. J'espère que le défi sera pas trop facilement gagné. En tout cas, j'essaierai de le faire dans des dimensions convenables. Si je gagne le défi et que selon vous, c'est pas mérité, dites-le en commentaire. Et je modifierai sur mon totem des défis gagnés et perdus que vous voyez ici. Le pronostic. Ça, c'est le genre de défi dont la fin n'est pas forcément ce qu'il y a de plus clair. Donc... Vous me pardonnez. Hein. Évidemment, j'ai un modèle. Hein. Ça va de soi. Ouais, par contre, ouais. J'aimerais bien le placer à peu près au milieu. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté. C'est pas grave. Il y a des statues sur les bords de l'arc. Hein. C'est pour ça que je mets ce machin un peu laid. Hop. Ah ouais, en plus, je suis gêné. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, je sais pas pourquoi j'ai des pertes de FPS sur mes vidéos en ce moment. Ça l'a fait aussi tout à l'heure. J'ai filmé un Minecraft Let's Play tout à l'heure avec Fanax, El Diamond et Tinjoff et j'avais des FPS assez peu convenables. Là, je peine à passer les 25 FPS. C'est dommage. Hop. Comme vous voyez, je me base sur du grès, hein, du grès poli, du grès donc de la sandstone, hein, pour les francophobes comme moi. Parce que moi, je suis pas anglophobe, mais je dois avouer que le Minecraft version française, je le trouve simplement insupportable. Bon. Hop, ça me paraît pas mal comme ça, vous vous doutez que j'ai un modèle, hein, pas la peine de le préciser. Je vous l'ai dit deux fois en plus, donc c'est pour ça que vous voyez faire les gestes de façon très automatique et relativement fidèle à ce qu'on aura pu voir. Donc là les murs sont plutôt lisses, donc ce que je fais n'est absolument pas bizarre ou what the fuck. Hop, et surtout que le truc va falloir le reproduire à l'identique deux fois. Donc là je sais pas combien on est, on doit être même pas à un quart du temps, donc ça va, il y a de la marge. Donc Tinjoff me donnera son avis s'il trouve ça laid ou plutôt pas mal. Bon, de toute façon, si c'est pas Tinjoff qui construit, c'est forcément laid, hein, globalement. Tinjoff fait un magnifique travail en termes d'architecture et on développe une map PVP en ce moment et son
talent d'architecte se ressent sur le rendu de la map, hein, franchement. Sans lui, la map serait laide. C'est une map type Tower Defense, hein. Mais bon. J'en parlerai sans doute dans des vidéos à part, quand la map sera finie, notamment. Si je galérais moins sur le placement des escaliers, et si j'avais le jeu en plein écran, déjà, je pense que ça m'aiderait. Et là, il faut que je garde une petite place pour mettre le modèle, hein. C'est aussi pour ça que votre format est aussi étrange, hein, ça va. Si ça vous gêne vraiment, eh ben je recommencerai pas l'expérience. Hop, là ça me paraît pas mal. Donc là, on va mettre 4 blocs. 1, 2, 3, 4. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4. Ici, on tombe en bas. On tombe en bas, c'est logique, hein, tu me diras. Et hop, ici. J'ai pas fini le haut de l'arc, hein, si vous vous demandez. Ah. Il faut que mon arc soit parfait. Je veux absolument que mon arc, 111111, c'est le lol, on s'amuse bien, merci, au revoir, soit parfait. Ok, donc... Oh, tiens! C'est bon, j'ai des FPS! Ouais! J'ai des FPS! Quand je regarde vers le bas, globalement, l'orientation du personnage change beaucoup dans les FPS dans Minecraft. Là, je fais 60 FPS. Là, je fais du 24 FPS, 22 FPS, 20 FPS. Et là, je fais du 60 FPS, allez. Vas-y, jeu de logique. Jeu logique. C'est pas un jeu de logique, Minecraft, mais c'est un jeu vachement logique, en tout cas. Bon. Je commence à dire n'importe quoi dans les défis de construction. Ça fait deux défis d'affilée d'ailleurs que c'est du multijoueur. Ça fait aussi deux défis d'affilée que je perds. Donc, je vais essayer de rehausser un petit peu le niveau. Donc, là, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre comme ça. Donc, j'ai reçu un message Skype de Mr. Fanax. J'ai obtenu le test de performance du jeu vidéo que Mr. Fanax, membre de la team, développe en ce moment. Je vous le filmerai sans doute pas. Je ne vois sûrement pas un MC4 play dessus. Parce que c'est un test de performance, donc même si c'est le jeu de Fanax, je voulais à la base le filmer, mais c'est un test de performance, donc je me doute que niveau contenu, ça doit pas être particulièrement ouf. Et bon, bah c'est normal, c'est un test de performance, je veux dire. Qui n'a jamais testé des performances dans sa vie? Bon, globalement, ceux qui n'ont pas créé de jeux vidéo, ou des maps Minecraft, des fois c'est bien de tester aussi les FPS qu'on fait quand on utilise les effets spéciaux qu'on a mis des heures à faire pour voir si ça fait pas trop laguer, parce que stage particle des fois ça fait laguer. Je vais pas vous faire une démonstration maintenant parce que déjà j'ai pas envie de faire cracher mon jeu, ça crache une fois sur deux quand je tape ce stage particule qui met des bulles d'eau et tellement que ça fait cracher. Bon, vous vous doutez du fonctionnement de ce truc, hein. Je veux dire, c'est pas ce qui est le plus compliqué au monde. Ouais, je dis vraiment n'importe quoi quand je tourne un défi sur haute construction. Mais c'est pas grave. Peut-être que des gens vont se plaindre aussi que mon arc de triomphe soit creux. C'est loin d'être aussi détaillé que l'original, globalement, mais bon. Et bon, ça, on n'y peut pas grand-chose, hein. Parce que Minecraft, c'est Minecraft. Et le jour où Minecraft aura des graphismes incroyables permettant de faire plein de détails en construction. Des détails en construction dans Minecraft, c'est parfaitement possible, mais bon là, les fines sculptures qui ornent l'arc de triomphe, je suis désolé. Donc c'est là. Donc là, il y en a plusieurs des arcs de triomphe dans le monde, ça vous en doutez. Je dessine celui des Champs-Élysées, celui de Paris. Ouais, concrètement là je peux racoler les bords comme ça comme un méchant monsieur et recouvrir de slab. Donc comme vous vous en doutez, là on a fait tout ce qui est la partie arc, reste plus qu'à donner des formes courbes grâce aux escaliers, le meilleur item de Minecraft. Donc là je vais devoir prendre de la 100 de stone de base. J'ai pas le choix. Je remplace quoi du coup? Ouais, j'ai rien à remplacer. Mince, bon. Bah. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais, non, ça je ferai après à la limite, c'est pas grave.
Ah, je deviens fou. Non, pitié. Je ne veux pas mourir aujourd'hui. Pas maintenant, c'est trop tôt. Woot. Ok, pourquoi pas, ça doit venir de l'enregistrement frappe, c'est ça. Donc désolé pour le nombre de FPS plus que limite, et encore là, j'ai pas les shaders, hein. Donc, de toute façon, on est en 1.8, donc les shaders... On sait où on peut se les... Pardonnez-moi de l'expression. Magnifique expression par ailleurs, hein. Voilà, ça me paraît pas trop mal, là. Ouais, c'est pas aussi courbe, hein, mais bon. On peut pas non plus faire des miracles. Hein. Donc voilà. Ici, une statue symétrique. Nope. Voilà. Donc c'est censé être des statues finement sculptées, mais bon. Moi, je m'appelle CLB et pas... Et pas monsieur le maître du monde. Hein. Et puis, je ne suis pas pro du modding. Et de toute façon, les défis Minecraft, c'est des défis vanilla. Voilà, donc maintenant, il reste plus que le sommet du truc à faire. Hop. Globalement, on peut fermer ça. J'espère que je suis dans les temps. Très franchement, perdre ce défi, ça me ferait vraiment rager. Mais un point que vous n'imaginez même pas. Je ne me suis même pas entraîné, hein. J'ai vraiment fait ça sur le vif, d'autant que la vidéo va déjà sortir en retard, elle devrait sortir demain, après le tournage, je pense. En tout cas, je ferai le maximum pour qu'elle sorte le plus tôt possible. Je suis hyper en retard, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, j'aurais vraiment jamais le... J'aurais vraiment jamais le temps, je disais, mais là, j'ai surtout fait n'importe quoi, en fait, c'est ça le problème. Et j'ai perdu du temps sur le défi. Et vous laguez autant que je lague. Donc je sais que YouTube maintenant permet de faire des vidéos 60 FPS, clairement. Sauf que en ce qui me concerne, c'est même pas la peine d'essayer. Je remarque que j'ai mal raccordé. Que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, on peut limiter la casse en continuant la construction comme si de rien n'était. Bon, je pense pas que dans les viewers il y a des gens qui connaissent par cœur la forme de la forme et les détails de l'arc de triomphe parisien. Mais bon, peut-être que j'intégrerai une photo au montage, ce qui m'étonnerait fortement. Hein. Vous commencez à me connaître maintenant. Hein. Ouais, là j'ai encore beaucoup de boulot et je pense pas que j'aurai le temps. 20 minutes à la limite, ouais, c'est quand même relativement large. Hein. Je pense que ça devrait aller dans la mesure du possible. Ok, donc ce que j'ai fait n'est pas parfait, mais est déjà pas mal. Oot. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça se passe plutôt pas mal. Si, j'ai compris ce qui s'est passé maintenant. Voilà, donc je compare... L'arc avec celui-là, c'est pas mal. Ça manquerait juste un tout petit peu de relief. Bon, maintenant, on y va en mode bourrin. Je dois avouer que la photo que j'ai est de nuit. Donc honnêtement, je saurais pas dire si c'est bleu ou noir ce qu'il y a en haut de l'arc. Mais en tout cas, moi, je fais en bleu parce que je trouve que de toute façon, c'est classe et que c'est ma vidéo. Je vous embête. Hein. Si je veux. Allez, hop. On se rapproche de la conclusion de ce défi. Donc à l'intérieur, c'est un petit peu un gruyère. Mais bon, globalement, c'est plutôt. Ça reste plutôt propre vu de l'extérieur. Ok, donc il va falloir qu'on rajoute une couche. Et on a quasiment fini le défi là, concrètement. On a quasiment fini, il reste plus que faire le tour avec ça et faire le tour une dernière fois avec des dalles. Et hop, voilà, donc maintenant hop, 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 et échouer si près du but, ce serait vraiment horrible. Si là, il y a le défi perdu qui s'affiche à ce moment précis, mais je vous jure que je fais ma crise de nerfs parce que... Parce que là, je dois avouer que
J'ai vraiment quasiment atteint le but. Manque pas grand chose. Attention, quand j'aurai fini de poser ces blocs de la piste, le défi sera fini et donc réussi si vous le voyez. Attention. Hop. Défi réussi. Et voilà. Donc voici notre magnifique arc. Donc il est assez proche de la réalité, mais est un peu plus haut en termes de proportion. C'est un peu dommage, mais bon. Globalement, j'en suis plutôt satisfait. En plus, c'est pas de ce côté-là qu'il faut le voir. Parce que je remarquais un défaut, c'est de ce côté-là. Voilà. Là, il a la classe. Là, regardez quand même. Moi, je trouve particulièrement beau. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Et je suis fier de moi, je vais en prendre un screenshot. Hop. Voilà, donc c'est un défi réussi. Je vous remercie de ce visionnage, les amis. Voilà pour le lol. Donc, les statues finement sculptées, c'est des armor stand et de la chaise LED, hein, forcément. Hein. J'ai plus rien. Bon, bah c'est un défi réussi sans doute, hein, et je vais quand même vérifier. Hein. C'est en effet un défi réussi, donc je disais, je vous remercie du visionnage, n'hésitez pas à partager, à aimer, et surtout, proposez vos idées de défis en commentaire, je veux reprendre un rythme régulier pour les défis Minecraft, hein, c'est important. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir, c'était CLB.